Ah, coucou tout le monde, c'est Félix Baldos, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le Hobbit Lego. La dernière fois, souvenez-vous, nous avions... Oh, dans le Guldur. Nous avions terminé le premier film, les événements du premier film. Et aujourd'hui, nous allons commencer les événements du second film sans plus tarder. Let's go, on est parti pour la petite descente. On ramasse en même temps quelques petits... Hop. Hop, voilà. Ce qui font plaisir. Alors, ça par contre, je ne sais pas s'il faut... Voilà. Hop, voilà, on peut. Là par contre... Ah! Et j'ai... Bah voilà. Et j'ai mouru. Bon, c'est pas bien grave. Hop. On continue la petite descente. Voilà la caméra qui fait un peu de... Hop. Les matériaux toujours. Et on est parti. Donc du coup... Ah bah vous êtes déjà là. Hop. Donc normalement nous commençons les événements de la désolation de Smaug, pardonnez-moi. On ramasse quelques matériaux avant de partir. Ça peut être utile. Et donc, vu ce qu'on avait vu la dernière fois, il y a de... quoi? Je sais pas ce qui me pointe. Je sais pas si c'est derrière ou si c'est devant. Il y a de fortes chances que nous allions rencontrer Beorn dans cet épisode. Alors, toc. Ah, je suis en train de me demander, tiens, si on ferait pas... Hop. Oh, ici. Merde. Hop. Ça va être peut-être un peu chaud. Et de retour. Hop. Merde, j'aurais dû rester là-bas. Hop, 5. 6. Ouais, non, j'aurais pas le temps. What? Les membres de toute façon, voilà. Reprirent leur route. Mais ils se sentirent très vite épiés. Et cette fois, ils savaient qu'il ne s'agissait pas d'Azog et de sa horde de guerriers chevauchant des Ouargues. En quête d'un refuge pour la nuit, Gandalf mena la compagnie dans un endroit proche qu'il estimait sûr, bien que celui qui y vivait ne fût pas des plus accueillants. Donc voilà, on va voir Beorn du coup. Pas le temps de s'amuser. Encore. J'essaie de vous dire qu'il y a autre chose là-haut. Il y a une maison, pas très loin d'ici, où nous pourrions trouver refuge. La maison de qui? D'un ami ou d'un ennemi? Ni l'un ni l'autre. Il nous aidera ou... il nous tuera. Quel choix avons-nous? Aucun. Ah, on commence directement par... Voilà, ça faisait longtemps. Hop. Par fuir, Beorn. Ah bah j'ai loupé le coffre. Ouais. Hop. Oula, là par contre, c'est compliqué. Ok, à suivre comme ça. C'est très compliqué. Ah, il y en avait un deuxième là. Décidément.
très très bon aujourd'hui. Ah. Olé. Hop. Oula. Alors est-ce qu'il y en aura un là? On va essayer. Si. Oui, il y en a un là. Voilà, on en a eu un. On a mis au moins un. T'auras un tout seul. Ah, quel nain ce nain. Quel nain ce taurin. Alors, bombure. Hop, on va sauvegarder. On ne sait jamais. Alors, du coup, on va détruire un peu, du coup, les habitations de Beorn. Parce que quitte à faire, hein, autant pas faire à moitié. Pendant que les autres retiennent tout ça. Alors oui, c'est vrai que 3 coffres du coup dans le niveau de course poursuite, c'est vrai que ils étaient au taquet les mecs. Mais bon, c'est pas bien grave. Les abeilles qui volent la clé. En même temps, vu la taille des abeilles, ouais, ils auraient même pu voler le verrou. Hop. Matériaux. Bah tiens, je vais casser leur maison. Ça les apprendra. Voilà, ils ont plus de maison. Bien fait pour leur gueule. Donc là, ça va être du coup du mithril. On n'a pas ça encore. Killy est en train de du coup de retenir la porte avec ses camarades. Oh. Oh, désolé Gandalf. Non, je pensais que... Oh, je pensais. Je pensais, j'ai peut-être mal vu. Je pensais qu'il y avait possibilité avec la porte de gagner un peu d'argent. Donc là, j'ai eu... Toc. Ah oui, hein, Lego, c'est toujours du coup la collecte. Afin d'avoir plus d'argent. Pour acheter des personnages à la fin. Et d'autres améliorations, n'est-il pas? Hop, les abeilles, elles ont pas l'air très... On casse quand même leurs ruches, mais elles ont pas l'air... Oh, vous savez, les ruches de nos jours, hein. Ça se fait, ça se refait. Je ne vois pas vraiment en quoi c'est important. Du coup, là, il y a une autre ruche. Hop, le temps que je trouve également ce qu'il faut faire... Parce que là j'ai beau du coup faire le tour. J'ai vu qu'il y avait un matériel là-bas. Ah, très bien, ça va être ici du coup. Et ah bah la clé était là, très bien. La petite abeille avec la clé était bien dans cette ruche. Donc fallait bien casser les ruches du coup. Alors après je sais pas qui c'est qui creuse normalement. Je sais plus du tout. Je vais juste voir. Alors, du coup, je ramasse ça. Il y a une fleur ici. Bah personne apparemment, ouais. Personne creuse dans ce projet là. Donc, qu'est-ce qu'on va fabriquer de beau? Ok, un truc pour rebondir, pour avoir du coup ça. Bon, ça fait plaisir, toujours. Ça. Non. Donc du coup l'abeille est partie dans ce sens là. Ah. Ok, elle est cachée là-bas, c'est ça. C'est ça. Du coup, elle va aller où? Bah du coup elle va aller dans la ruche là-bas. Ah. Comme c'est mignon. On va prendre directement Dory du coup. Alors Dory, voilà. Du coup. Elles sont mignonnes les petites abeilles Lego, je les aime bien, c'est toute mignonne. Regarde-moi ça. Oh, elle sort sa petite tête de la ruche. Alors du coup. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, comment ça se fait?
Voilà. On appuie très fort. On est quand même en train de détruire la maison de... Oh, pardon, mon bur. Je suis tellement désolé. C'était à Gandalf. On est quand même en train de détruire la maison de Beorn. Tu m'étonnes qu'après, il nous déteste. Tu m'étonnes qu'après, il nous déteste. Enfin, il veut pas plus nous aider. Hop, on va encore avoir besoin. Hop, c'est... Pour casser tout ça... On est vraiment des branques. On est vraiment des branques. J'ai du mal à aller chercher une clé. Alors... Ah, bombure. Ah, c'est pas où il faut rebondir sur le... Putain, si c'est ça. Ah non, faut... Ah oui, c'est ça, oui. Faut lui donner à manger, du coup. Et on va pouvoir rebondir sur son ventre. C'est un peu, quand même, spécial. Oula. Hop. Alors, du coup... Ça va être une échelle, c'est ça? Ouais, ça va être une échelle. Hop. Hop, hop. Vite! Voilà. Hop. Le nouveau cambrioleur. Youpi, tralala. Oula. Je suis tombé. Hop là. La petite maison. Ils sont fort sympathiques. Bon, moi ça me permettra d'aller chercher les matériels. Pas les perdre pour le niveau d'après. Parce que normalement, on les garde pour les niveaux... normalement, si je dis pas de bêtises... Les niveaux... Enfin, les matériaux sont... Les matériaux sont sauvegardés suivant les niveaux. Hop. Voilà. Bon allez, du coup, on a assez jacassé. On va pouvoir prendre ceci. Et se mettre à l'abri. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, à la clé, putain, mais... Et se mettre à l'abri. Allez, on rentre. Ouais, ils ont une façon bizarre, ouais. C'est quoi ça? Ça, c'est notre hôte. Il s'appelle Beorn. Et c'est un changeur de peau. Il s'éloigne. Tâchez de dormir. Vous tous, vous ne craignez rien ici cette nuit. Très bien. Ah bah du coup c'était ces petits épisodes sur l'hébergement bizarre. J'espère que cela vous aura plu. Donc un petit niveau sympa, un petit niveau simple de temps en temps, ça fait pas de mal. Ça coupe plutôt bien, j'ai envie de dire. Des événements débloqués peut-être. Ouais, 3 débloqués, très bien. On continue juste pour revoir. Bah du coup voilà, on aide du coup Beorn à réparer les ruches qu'on a détruites la veille. Alors, vous êtes celui que l'on appelle Écu de Chêne. Dites-moi, pourquoi Azog le profanateur est-il à vos trousses? Vous connaissez Azog? Comment? Mon peuple fut le premier à vivre dans les montagnes. Avant que les orques n'arrivent des contrées du nord, il y en avait beaucoup. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Donc, il vous faut atteindre la montagne avant les derniers jours de l'automne. Je n'aime pas les nains.
Mais les orques, je les hais plus encore. Que vous faut-il? Il est comme moi, il est en train de dormir. Les elfes de la forêt noire ne sont pas comme leurs semblables. Ils sont moins subtils et plus dangereux. Et bien voilà, du coup, ce sera cet épisode pour aujourd'hui. Voilà, un petit épisode de... court de temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà, truc de Béorn, du coup, voilà. On se retrouvera du coup pour un prochain épisode. Il y a de fortes chances qu'on ira du coup dans la forêt noire. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à cœur à voir tout le monde.